Cucu YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des 7 bambins. On a déjà essuyé 4 journées à essayer de gérer ces monstres et pourtant ils ne sont toujours pas dressés. On ne sait toujours pas quoi en faire et on ne sait pas encore lequel on va bouffer au petit déjeuner. En tout cas, pour l'instant, c'est calme, c'est la nuit. Ah, la lumière vient de s'éteindre. Est-ce qu'ils sont tous endormis ? Oh ! Quel plaisir, c'est bientôt l'anniversaire de Dakota. Oh, ça veut dire qu'ils vont bientôt grandir. Un jour, ou peut-être une nuit, un jour aussi. Oh mon dieu, non, Emilion, non. Un jour, bah, je pense qu'ils vont tous, bah normalement ils sont... Ouais mais non, parce que elle, c'est deux jours. Ils sont pas au même tarif. Hein. J'ai dit non, Emilion. Ou c'est pas vrai. Tu fais quoi? Bah j'en sais rien, va faire un câlin. Non. Tu t'occupes de tes fesses, tu laisses ta mère tranquille. Je pense qu'elle a assez besoin de dormir. Donc tu t'occupes et... va jouer et puis après tu iras te recoucher. Pourquoi elle c'est dans deux jours son anniversaire? Pourquoi j'ai trois gamins qui vont pas alors qu'ils sont censés être tous du même âge? Merci le jeu, tu m'en fous trois encore dans les pattes alors que les autres ils auront grandi. Allez, encore combien de temps? 27 minutes, attendre que monsieur il se soit remis de son cauchemar. Allez, tu vas arrêter avec ce petit canard là, il est bien mignon, il a la même couleur que tes cheveux. T'es prêt? Tu vas être couché, attention. Hein. 0 minute, allez hop dodo. Voilà, ça s'appelle du bon timing. Hein. C'est que les professionnels, ne vous risquez pas de faire ça chez vous, vous risquerez de vous blesser. Oh, les factures qui viennent de tomber, moins 460, c'est flou. C'est l'électricité, on a douillé. En eau, on a moins 4. Ah non, en électricité, on a plus 141. Quoi? Pardon? Est-ce que l'énergie des gamins a été reconvertie en électricité? Pourquoi? Pourquoi? Et je peux vendre là, on peut gagner de la thune et tout? J'ai rien mis pour stocker l'électricité. Il se passe des bails chelous. Ah! Jessie est debout, tu vas pas réveiller ta mère, quoique il est 10h du matin. Maman? Ah bah maman, elle a fini de dormir là-haut, maman, là, la grasse mat. T'as 7 gosses à t'occuper, hein, je te signale. Hein. Elle est peut-être dormir que le popotagne. Non, chaton. Hein, tu vas jouer aussi, tu vas être mignon. Pendant que maman, elle fait à manger, mon petit Mylène Farmer. C'est toujours ce prénom-là qui me fera le plus rire, je pense, de tous. Oh, Okadi! Oh, qu'est-ce qu'il est bouffi, ce garçon. Pauvre gamin, va. Là, tu devrais déambuler, toi. Va déambuler, ça te fera les pattes. Alors, ça y est, c'est l'heure de manger. Maman a cuisiné exprès pour tout le monde. Ils sont vraiment pas en bon état. Hein. Dakota, ma petite chérie... Emilion, qui du coup n'a pas beaucoup dormi, hein, Emilion, tête de con, comme on dit dans le jargon, hein. Tout le monde est parti, et Michel, qui n'a pas l'air d'être en forme non plus. En tout cas, tout le monde va partir manger, qui c'est qui chiale encore déjà? Oh, Emilion, commence, toi aussi, je t'ai demandé d'aller manger, c'est pas jouer à la poupée, c'est manger. Regardez-moi ça, toute cette marmaille. Oui, alors toi, je pense que t'as des choses plus intéressantes à faire que de jouer à la maison de poupée aussi. Hein. Voilà, comme ta maison qui pue. Mylène a mangé, mais Mylène pue. Alors, ce sera le bain de Mylène. Bain de mousse, Mylène. Voilà. Étape par étape. T'as la moitié qui bouffe. Donc, pendant ce temps-là, on peut rien faire. Mais t'as aussi Michel hein, qui pue. Et Michel, elle doit aller au pipi aussi. Oh, et elle peut y aller. Quel plaisir! Eh ben, elle va y aller toute seule, la cocotte. Ça me ravit, parce que je sais que j'ai souffert pour en arriver là, quand même. Et lui, c'est dessus. Pâté, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, moi, je suis indépendant, hein. Je peux aller depuis le jour 1 sur le pot. Non, il choisit de se chier dessus, quand même. Alors, je t'ai demandé de laver Mylène. C'est bon. C'est pas possible. Allez! Mais dis, maman, mais tu commences à me saouler maintenant! Trois fois! Voilà, et je me suis énervée. Alléluia! Attention, hein, c'est pas encore fini. Hein. Peut-être qu'elle va lui tremper avec les panards. Hein. Donc, oh là là, quel plaisir de voir les deux sur le pot. Alors, Okadi, Okada, au lieu d'aller jouer là, tu vas regarder ton frère et ta soeur sur le pot. Je sais, j'ai fait ça depuis le jour 1. Mais lui, il est très en retard. Oh punaise, et puis il est là-bas en plus.
J'ai bibé un dôme, ce gamin. C'est méchant ce que je dis. Michel, elle va sûrement pas taper sa crise. Émilion, il est sur le pot. Mylène, elle parle avec Pâté. Ok. Bravo, Michel, elle a fini le pipi sur le pot. Émilion aussi. Émilion est très content. Alors, par contre, tu peux donner un bain à Michel. Allez, Mimi, c'est l'heure du bain. Émilion, tu peux te taper une petite sieste parce que t'as pas beaucoup dormi. Comme ça, on aura un moins qui nous cassera les pieds. Après, ce sera à Dakota de venir pour le bain. Qu'est-ce que... Mais, et ben voilà. Et ben voilà, quand je vous ai dit qu'elle allait lui tremper que les pieds. Mais voilà, maintenant, elle tape une crise. Ah non, il a... Ah, j'ai pris Pâté, je croyais que c'est... Ah, mais il peut y aller maintenant, lui. Eh ben, go, vas-y, Okadi. Non, 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 pas la piscine, le pot. Ça commence par la même lettre, c'est déjà ça. Oh, my goodness. Eh, mais attendez, là, attendez. Est-ce qu'elle elle aussi, elle peut aller sur le pot? Ça veut dire qu'ils peuvent tous y aller, là? Que j'ai réussi cet exploit? Oh, elle est indépendante. J'ai réussi! Ils savent tous aller sur le pot! On va y arriver, vous savez. On va y arriver, au pire, ils grandiront tous. Hein. Mais pas dans leur caca! Au moins, c'est déjà ça. Bon, après, ce sera Pâté de prendre un bain au caddie. Au caddie, c'est l'enfer. Au caddie, il ne jure que par sa piscine à balles. Qu'est-ce que tu fais, toi? Non, 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 c'est pas encore fini! Il y avait encore un bain à faire! Pâté. Non, mais ça sent. Regardez-moi, ça sent le pâté. Hein. Eh, ça sent le pâté! Monsieur Pâté du Groin est demandé à l'accueil pour se faire laver. Oh bah, ça y est, elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Eh, viens parler avec tes frères et sœurs, Michel, parce que... Je pense que c'est pas mal. Il est déjà quand même presque 17h et maman n'a enchaîné que des bains. Tu le laves quand tu veux, hein, vraiment, pas de soucis, là, à ce niveau... Ah, parce que tu vas le reposer, évidemment, parce que... Qu'est-ce qu'elle fait? Je vous jure que les Sims, c'est une épreuve. Hein. Ok, ça s'appelle un bug. Ouais, moi, je suis morte de rire aussi. Dit. Est-ce que... Ah oui, t'as Jessie qui pue un peu. Jessie demande à l'accueil pour le prochain bain. Oui, bah, tu te détendras après. Oh, oh non. Oh non. Oh, Michel. Oh, Michel. Le pire, c'est que si je sais que je lui fais hurler dessus, elle va abandonner... Non. Oui, si, c'est ça. Voilà. Hop, donc il faut que je recommence. Toi, t'es bien la fille de ton père, tiens, Michel. T'es bien la fille de ton père. Pourquoi il pleure? Oh. Elle a été toute seule sur le pot. C'est trop cute! Maman, elle en peut plus. Mon maman, elle a envie de se détendre avec ma maison de poupée. Sans ses enfants, évidemment. Petit tour d'horizon. Ça a l'air de rouler, hein? Il y a que Pâté qui est fatigué. Mais Pâté, elle ira aux toilettes aussi, hein? Ah, Pâté est dans la piscine à boules. Bazinga! Je sais, je l'ai déjà faite. Ah! C'est Mylène! Ah, les garçons, hein, c'est turbulent, hein? Paf, allez. Ça s'éclate, hein. En vrai, j'ai jamais été dans une piscine à boules, moi. J'aimerais bien essayer. Oh là, oh là, oh là. C'est ça ton amusement, Francine? Ah. Aïe, 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 les conneries. Non, non, les conneries. Éducation... Disciplinée, sévère, hurler. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu fais quoi en fait? Je t'ai demandé de faire autre chose là. Oh là 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 là. Oh, et puis alors il commence à avoir de la peinture partout. Forcément cette gamin. Je pense qu'elle en avait marre de jouer. Elle dit oh, c'est quoi cette maison de poupée? Une pièce, une couleur là. C'est vraiment de la merde. Et bien elle a tout cassé. Hé, Michel, la tête dans les chiottes. Mais qu'est-ce que c'est que ces gosses? Mais c'est pas possible ça. Ah, et ça y est, ils savent tous aller au pot. Bah ils me font payer en faisant d'autres conneries quoi. Oh.
Mais oui, il est déjà 21h! Eh, discipliner son bambin, hein, ça marche, hein. Dag dag! Eh, va nettoyer un petit peu. T'as même pas fait à manger, les gamins, ils vont crever de faim. Eh ben, c'est pas grave. Tu vas servir le dîner. Pasta primavera. Pasta primavera. C'est bon, d'ailleurs. J'en ai mangé une fois au resto. J'étais là. Ah! Comment ça, pasta primavera? Je veux ça. Je me suis dit, si c'est comme dans les Sims, je veux savoir ce que c'est. Eh, mais il y en a quand même 5 qui sont partis se coucher. Sauf que je suis obligée de l'élever, sinon ils vont pas manger et puis ils vont me taper des crises. Ah bah d'accord, elle aussi. Elle, elle fait joujou. Ah, bon petit plat. Alors, il reste que Dakota. Dakota, elle veut tchatcher avec sa rhum. Ouais, salut maman, t'as vu c'est mon anniversaire là. Moi j'aimerais bien une PS5 et une Switch, d'accord? Bah désolé, mais les gosses, il va falloir vous lever. Mais là, je cherche les ennuis à l'élever alors qu'ils étaient tous couchés. Oh là là, Pâté, il est pas content, hein. Michel qui s'éclate. Michel, je t'ai demandé de jouer, en fait. Je t'ai demandé de manger, pas jouer. Tu seras mignonne. Tu seras gentille. Tu seras mignonne et gentille. Toi, t'as encore du ménage à faire, Francine. T'iras aussi aux toilettes. Et comme elle a une belle énergie, elle pourra mater la télé. Ça lui est pas arrivé depuis un moment. Hein. Mater la télé quand il n'y a plus personne qui est debout. Hein. Tu as mis jouer au lieu de manger à Michel. Ah merde! Ah mince! Bon, Dakota... Dakota, la fatigue. Dakota va trouver un lit. Pâté, dormir. Non, pas de crise. Aïe, 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 aïe. Mylène, dodo. Tiens, tu vas aller dormir dans celui-là. Michel, dodo. Hop, casse-toi. Jessie, pipi. Okadine. Bah, pas trop mal, lui. Tu vas faire un câlin, tu vas parler, tu vas qu'est-ce que c'est, et tu vas dormir. Ah, je crois que j'ai... Alors, soit j'en ai perdu un dans l'eau. Emilion, Emilion, je... Il a fait dans sa couche. Eh ben, Emilion, tu vas dormir. Et voilà. Bon, elle a pas fait le tiers du ménage que je lui ai demandé, mais... Elle pourra au moins regarder la télé. Vas-y, tu vas te regarder un film romantique, cœur à prendre. Parce que tu es une romantique dans l'âme, ma petite Francine. Tu te dis, mais moi, un jour, je vais trouver un homme qui s'occupera de moi et de mes enfants. Mais regardez-moi, c'est beau, ça. Tous les gamins sont au lit. Maman regarde la télé. Pour un challenge qui touche à sa fin. Zéro. Mais oui, mais pourquoi il y a un jour de décalage? C'est absolument pas logique. Ils ont été créés tous en même temps dans le CAS, quoi. Elle est à fond dans son film. Allez, Francine, tu vas me nettoyer ça et tu vas te mettre au lit. Alors, regardez-moi tous ces gamins qui dorment. Quel plaisir. Quel calme. Et quelle fin d'épisode. Bonne nuit, Francine. Repose-toi bien. Demain est une autre journée. Ah non! 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 Non, 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 apou, apou, apou. Non, 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 non. Tu fais ça dans ton coin. Et le reste, ce sera pour une prochaine fois. Allez, moi, je vous fais des bisous, YouTube. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je mets sur pause. Et je vous dis à la prochaine fois. Des bisous. Ciao, ciao.